Évoluant dans le secteur très concurrentiel des hydrocarbures, Kamsar Petroleum se positionne comme un acteur très engagé dans une démarche innovante axée sur la promotion des stations mobiles. Kamsar Petroleum est né depuis 2015. On a fait pas mal d'activités sur le terrain actuellement. Nous sommes en train de faire la promotion de nos stations et services mobiles parce que nous sommes venus dans ce secteur pour développer notre innovation et apporter un plus à ce secteur qui permettra aux Guinéens ou aux d'autres coins du monde qui sont dans les localités les plus reculées d'avoir une bonne accessibilité aux produits pétroliers. L'entreprise a su développer une stratégie qui a permis aux populations vivant dans les zones les plus reculées de la Guinée de pouvoir accéder aux produits pétroliers, ce qui continue à désenclaver les localités intérieures du pays. Comme nous sommes venus dans ce secteur, nous avons apporté une innovation. Et cette innovation, c'est la promotion des stations-services mobiles. Nous avons notre station-service mobile tampon à Kamsar. Nous avons ciblé pas mal de coins très reculés en Guinée que nous allons désenclaver. Éviter aussi la spéculation et de la promotion de ces produits, de la commercialisation jusqu'au transport dans des règles de l'art, dans des conditions les plus strictes du secteur. Kamsar Petroleum est une entreprise citoyenne qui compte à son actif plusieurs actions dans le domaine de la RSE. On n'a pas fait pas mal de choses. Si vous prenez aujourd'hui à Boufa, nous avons rénové le lycée de Boufa, toutes les trois mosquées de la localité. Nous avons offert un bus flambant neuf à l'équipe de football de cette localité. Tout ça, là, ce sont des responsabilités sociétales qui nous incombent. Depuis sa création en 2015, la société Kamsar Petroleum a contribué à lutter contre le chômage avec la création de plus d'une centaine d'emplois. En termes d'employabilité, nous sommes aujourd'hui autour de 100 comme personnel. Alors, toutes ces personnes ont apporté un plus à notre entreprise. Toutes ces personnes, comme ce sont des jeunes, ils ont le sang frais, ils sont en train de se battre pas mal dans chacun à ce qui le concerne pour développer ce secteur avec nous.